I didn't smoke at the store, choke on the smoke. They tell me to quit, no, listen what I'm told. They help me forget that this world. Salut tout le monde, c'est Prododou, j'espère que vous avez la forme, en tout cas ça va super. On se retrouve pour un pack opening, donc comme vous pouvez voir j'ai mon coffre de combattant 2, je suis vraiment content de l'avoir. Et j'ai aussi un coffre magique, un coffre géant et un coffre en argent. J'ai également un coffre de clan. Et je sais que c'est pas le meilleur pack opening du monde au niveau du coffre magique et du coffre géant, mais bon. Vu qu'on a le coffre de combattant 2, ça complète un peu quoi, et puis... Je pense que j'aurais dû... En fait, moi, je voulais attendre un peu pour avoir plus de coffres. Sauf que la saison, on peut pas attendre. Et du coup, je me dis, je vais en profiter pour ouvrir tous les autres coffres, quoi. Donc, voilà, hop. On va ouvrir le coffre de combattant 2. On espère avoir de bonnes choses, vraiment. J'espère avoir un légendaire. J'espère. 3000. Alors là, soit je prends le chevalier que je joue, soit les chauves-souris que je joue pas. Mais, enfin, je veux les améliorer, du coup. Voilà. De toute façon, le chevalier, je suis encore loin. Je crois qu'on a eu toutes les communes, là. Je sais pas. Voilà, le sort de soin, on joue pas les deux. Oh les gens, on est légendaire. Comme vous pouvez voir, le petit un multicolore là, c'est cool. Bon bah là, bon, c'est pas les meilleurs. Ouais bon, PK, hein, là il n'y a pas d'autre choix. Ok. Ok. A plus tout le monde, c'était Prododou. Ciao. Ok, bûcheron, sorcière de la nuit. Donc là, c'est vraiment des très bons choix. Mais là, clairement, je vais prendre la sorcière de la nuit. Enfin, il n'y a pas d'autre choix possible. J'adore le bûcheron, mais la sorcière de la nuit est vraiment trop badass. Donc voilà, je prends un petit screen. Ok, on va prendre un screen aussi du récap du coffre. Ok, donc ça fait plaisir, clairement. Et on retourne combattant 1, du coup. Ok, et du coup, bah, je pense qu'on va faire une série Rush combattant 3, parce que du coup maintenant je peux aller combattant 2. Oh, ouah, désolé, j'ai ouvert beaucoup trop vite le coffre. On va laisser regarder le recap, mais je suis désolée, j'ai ouvert beaucoup trop vite le coffre. Quand je suis tout seul, j'ouvre le coffre comme ça, moi. Donc voilà quoi, on n'a pas eu grand chose. Ouais, c'était mal parti. Donc, le coffre géant, peut-être. 4 cartes. Peut-être. Non, on n'a pas. On a un gel, ouais. 155 et... 57 fournaises, donc c'est pas mal quand même. Enfin, les squelettes c'est pas mal parce que vu que je les joue. Du coup, là, la sorcière de la nuit qu'on peut améliorer, c'est cool. J'aurais préféré avoir une bûche quand même parce que je la joue. Le coffre en argent, encore une fois, je trouve qu'il faut vraiment que. Une Valkyrie, 12 chauves-souris, c'est pas mal. Ok, là, 4 cartes. Peut-être on peut avoir quelque chose. Non, on va avoir une. Ouais, non, même pas. Ok, bon, des cochons, des mousquetaires, des boules de feu. Ok, bon, des béliers de combat, c'est pas mal aussi. Du coup, je peux le passer niveau 8, le bélier de combat, quand même. Il me dit rien, il s'augmente vite, le bélier de combat. Donc, et le coffre de clan 1 sur 10, c'est vraiment nul. Mais bon, la dernière fois, dans le coffre de clan 1 sur 10, j'avais eu une la sorcière de la nuit. Bon, du coup, voilà, quoi. Bon, bah, le petit coffre tout pourri. Donc, voilà, quoi, petit pack opening pas mal, là. On peut améliorer la sorcière de la nuit. On va l'améliorer, hein. Enfin, voilà, personnellement, elle est trop d'art. Donc voilà, on va aller en combat 2v2 pour tester. Parce que ça, c'est mon deck 2v2. Comme ça, on va tester la sorcière de la nuit 2v2. Enfin, niveau 2, en 2v2. Voilà. Niveau 2, 2v2. Bon, voilà. Je me tais. Ok. Je pense que... Il a quoi comme deck, lui? Il joue un deck géant. On va poser ça derrière. Moi, j'ai le foudre, mais là, je l'ai pas. Ouais, bien. Ok, c'est plutôt pas mal, ça, ce qu'il a fait. Oui. Ah oui, c'est bien. Voilà, comme ça j'ai pas besoin de le poser. Et puis moi derrière j'ai l'élixir pour reprendre un rush. C'est bien, c'est que maintenant que j'ai le niveau 2, franchement on a plus de vie quand même, c'est cool. Là on va tenter un petit truc. Non, je sais pas si on va bûcher. Non, on va pas bûcher, vas-y. Ouah, ça peut faire des dégâts. Hein. Voilà, ça va détruire le mini PK. Clairement. Ça va aussi détruire le sapeur. Et ça va presque détruire l'électro-sorcier. Ouais, j'ai... Je sais pas si je mettre... Ouais, voilà. Il m'entend pas, mais... Hop, là, on va mettre un électro-sorcier derrière. Ok, je pense que là, une sorcière de la nuit, ça peut être bien pour détruire la Valkyrie. Voilà. Ok, c'est pas mal. Voilà, bon. Les gargouilles vont être détruites. Ok, là, on est égalité. Vraiment, il n'y a aucune personne qui a l'avantage. Son archer, je sais pas s'il est bien. Moi, mes squelettes, ok.
Ok, on a pris la tour. Donc, plus dans le fond, c'est pas mal. Je pense que je peux... non, je vais pas prendre un golem devant. Ok, c'est bien ce qu'il a fait, là. Ok, le ballon qui se fait focus par la méga gargouille, ça c'est cool. Voilà, on va poser un golem devant, là. Là, je prends des risques, mais je pense que c'est bien. Ok. Ok, là, clairement, je pense qu'on va leur mettre cher. Hein. Là, le petit bon qui fait pas mal comparé à ce qu'on est nous. Ouh, c'est très très bien joué de sa part, ça. Parce que du coup, le golem et le géant, là, ils ont failli se faire défoncer par la Valkyrie. Qui du coup, vu qu'elle tape en zone et que quand il y a une tornade, bah, elle tape tout au milieu de la tornade. Ok, bon, on prend la tour. Ok. Les archers qui finissent la mousquetaire, ça c'est bien parce que du coup ils perdent les lichiens. Ok. Ah, la petite bûche qui pète pas mal là. Hop, voilà la princesse qui tombe. Bon, clairement je pense que c'est une victoire. Hein. Mais bon, on va pas s'avancer trop vite, mais je pense que c'est une victoire. Là on défend bien. Voilà, le feu à gobelins on le défend avec ça. Et là notre sorcière de la nuit niveau 2 qui fait quand même... Oh là la Valkyrie, ça fait mal. Là, notre sorcière de la nuit, il fait quand même très très mal. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'on serait parti en 3-0. Hein. Là, clairement, on n'avait pas le temps. Dommage. Donc, pas mal. Franchement, pour cette première game sorcière de la nuit niveau 2, ça fait plaisir. Ok. Hop, et on débloque un coffre en argent. Donc, voilà. Du coup, il va falloir que je combatte hein, pour l'avoir. Pour réussir à replacer combattant 2, voire combattant 3, pour avoir un meilleur coffre. Donc voilà, quand même, je suis vachement content d'avoir une légendaire dans ce coffre. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour la sorcière de la nuit niveau 2, franchement, ça me ferait plaisir, et à partager sur tes réseaux sociaux. Sur ce, moi, je te dis à plus tout le monde, c'était ProDoudou, ciao!